Hello Athéna! Allô. Ça va? Il est tard, on vient de manger. Voilà, on commence cette petite vidéo. La evening routine, la night routine, la routine du soir, la routine de nuit, la routine du dodo. On va massacrer le ballon, mais comme jamais. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, les filles? C'est quoi? C'est un ballon? C'est vous! Et il y a de l'eau dedans? C'est une fontaine! Une fontaine! Wow, effectivement, tout à l'heure, tu l'as refait et sans tenir le ballon, ça marchait bien. Mais là, ça marche bien aussi. On va dire oh là 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 là! Inondation! C'est l'Aqua Boulevard à Vitello. Finalement, t'avais raison lors de la vidéo de la surprise. Tu pensais qu'on allait à l'Aqua Boulevard? Bah, c'est un petit peu ça. Oh là 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 là. Oh là 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 là. On va nettoyer tout ça, les filles. Je joue à faire tomber les quilles. Ah. Attention, c'est le challenge bowling avec du gel douche. Eh non, il en reste 3, la moitié simplement. It's just for women. Et puis il a fait genre English, please. Et je répète. Et puis il a haussé les épaules. Arrêtez, j'ai peur. C'est bien. En plus, j'ai mis ma lunette de soleil, je vois pas. On voit plus rien. Les filles, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a des fantômes. C'est hanté, Disney. Encore une bande noire complète, personne ne voit. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est une araignée. Ah non, mes filles, ça fait flipper ça. Un fantôme. Mais on m'attaque là. Qui m'attaque? Bataille de coussin. Tu vas voir, bataille de coussin là. Ça va, Athéna? Oui. Il y a quelque chose qui va me faire tomber. Arrêtez, je vous vois pas là. J'ai mes lunettes de soleil en plus. Je vois encore moins de choses. Ah, attention, je vais toucher un petit fantôme. Oui, voilà, j'en ai attrapé un grand et un petit. Et j'ai attrapé un petit fantôme. Ah, un tout petit. Ah, j'ai attrapé un fantôme. Qui je vais manger? Arrête. Je vais te faire des guillis, tu vas voir. Ah non, mais agis vite, hein. Tiens. Hop. Attends, j'y vois rien du tout, là. Alors, Calice, c'est la fin de journée. Et tu te détends en jouant à un petit jeu. Best Fins. Athéna, tranquille, tu te reposes. Ça va, Athéna, pas trop fatiguée? Tout à fait, on va aller manger juste après. Virginie, ça va? Avec les cheveux mouillés. Hyper beau dans les finitions et tout. Magnifique. Aussi d'ailleurs, c'est quoi ce verre? Voilà. Bon bah santé. Santé. Chine. Joyeux Noël. Santé. Chine. Wow. On a vu une partie du feu d'artifice en dînant au restaurant du Disneyland Hotel. Voilà, c'est plutôt très sympa. Ah, la tienne, Virginie, fait sa cuisine. Magnifique. C'est le bouquet final. Et ça y est. C'était beau, hein? Ça t'a plu, Athéna? Oui. Petite table Mickey. Celle-là aussi? Bien sûr. On va manger des fleurs. C'est juste un peu ça, quoi? Un peu quoi? C'est bon la fleur? Ouais. Wow. Ça c'est la pintade.
façon bûche de Noël, quoi. Moi, j'ai eu ça. Oh, les Saint-Jacques, c'est beau. Oh, des pâtes au beurre. C'est beau. 35 euros, des pâtes au beurre. Oh, t'as fait un petit bonhomme. C'est Athéna. Trop drôle. Deux cheesecakes aussi. Merci. Petit cheesecake. Oh, et des figues. Merci. Le petit champagne. Et là, Cali est en train de faire le puzzle de Mickey en chocolat. C'est trop rigolo. Je savais que ça te plairait, ça. Et moi, j'ai pris un sorbet. Ah, un petit sorbet à la mangue. Non ? Aux agrumes. Aux agrumes. Pas loin. Tu veux goûter mon sorbet ? Ah non. Ah, ça y est, attention, c'est la fin. Salut, c'est Mickey. Et voilà. Eh ben oui, ça y est. Bravo. C'est Mickey. Et voilà, Disneyland Paris. De nuit, désert, il n'y a plus personne dedans. Les lumières sont allumées. Je pense qu'elles restent allumées toute la nuit. Hein. Alors vivement demain pour profiter encore. Il est tard, on vient de manger. Donc là, tu vas mettre ton petit pyjama pour dormir dans ton petit lit Disney avec Calice. Et c'est un petit pyjama M&M's, voilà. Qu'on avait eu d'ailleurs à Londres, au M&M's World. Et Calice va mettre son petit pyjama rose. Enfin, c'est un petit peu flou parce qu'il n'y a pas trop de lumière. Hein. Voilà, parce qu'on va aller faire dodo. Un petit pyjama rose. Et puis... Regardez, il fait nuit. Ah, mais il y a peut-être Virginie. Virginie qui est partie, qui a dû récupérer sa voiture. Voilà, au fond. Mais on les voit pas. Ils sont peut-être déjà partis. Et Calice est en train de se préparer. Voilà, c'est la petite routine du soir. Est-ce que tu t'es lavé les dents ? Pas encore. Alors, on prend la valise, parce que c'est normal, la brosse à dents est dans la valise. Voilà, le petit brossage de dents. Petite brosse à dents, petit dentifrice. On va se laver les dents. Mais là, on vient de remarquer à l'instant hein, qu'ils sont repassés dans la chambre. Ils ont déposé des petits chocolats. Alors qu'on est parti, il était 21h, hein, il était quand même assez tard. Ils sont passés dans la chambre pour déposer des petits chocolats et refaire les lits parce qu'on avait sauté dessus comme des fous. Et on va recommencer. Mais c'est quoi ça ? Ah oui, c'est quoi ça ? Alors là, voilà, c'est une evening routine un petit peu improvisée. Ah oui, ils ont remis des peignoirs secs parce qu'on avait été à la piscine. Ah, je pense qu'ils ont noté qu'on était à la piscine et du coup, ils ont remplacé les peignoirs. Ils en ont profité pour faire les lits et pour mettre un petit chocolat sur le lit. Waouh ! On les mangera demain matin ? Oui. D'accord ? Oui, wow. J'adore ces chocolats. C'est trop gentil. Ok. Bon, on se met en pyjama les filles. Et après, je vais vous chanter une petite berceuse. Oh non, pas des berceuses. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Non. L'histoire de la télé. Alors, ah oui, parce qu'il y a des contes Disney sur la télé. Alors, on va se laver les dents et après, on fait ça. Voilà, le petit lavage de dents. T'as bien mangé ce soir ? Ouais. Oh. Bon, bah voilà. Allez, à tout de suite. Et voilà ! Ça y est ! M&M's jaune ! Allez au dodo, ma puce ! Va sous la couette ! Ah oui, attention au chocolat. Hop ! Tadam ! Un lit bien propre. Encore un chocolat ? Eh ben dis donc ! Ça sera pour demain matin. Je les ai tous mis là. Et je vais dormir dans les chocolats. Ah, c'est un petit peu flou, voilà. Dis donc, oh là là, gros oreiller. Est-ce que tu veux la petite télévision ? Oui. Tu veux t'endormir un petit peu devant le conte Disney ? Un gros bisou. Voilà, tous les petits copains te font un gros bisou. Oh, Athéna d'amour. Voilà, et Calice va bientôt te rejoindre. Donc là, je suis en train d'essayer de mettre le compte, liste DV, compte Disney. Voilà. Est-ce que vous voulez Tarzan, le Roi Lion, Peter Pan ou
La Belle et la Bête. Ah ça y est, t'as mis ton pyjama. Tu veux quoi? Peter Pan. Peter Pan? Peter Pan, ça te va, Athéna? Oui. Allez, on met Peter Pan et on va s'endormir en écoutant Peter Pan. C'est parti. Ok, on écoute. En français, s'il vous plaît, c'est mieux. Et voilà. Ça marche, ça y est. Oh, et voilà. C'est l'heure de faire un gros bisou à Calice. Oh, papa. Moi aussi, je t'aime, ma petite puce. Bonne nuit, Athéna. Bonjour, papa. Toi, tu vas t'endormir en 30 secondes avant la fin de Peter Pan. Bonne nuit, les filles. Et demain, on continue de s'amuser. On va aller faire du shopping. On va aller faire du manège. On va aller faire... Et voilà. Voyez, bonne nuit les filles. Faites de beaux petits rêves. La night routine. Voilà. Calice et Athéna qui sont dodo, prêtes à recommencer une journée de folie demain. Donc si vous avez aimé, petit pouce bleu, partagez, commentez, abonnez-vous. Et bien sûr, vivez vos rêves et faites de beaux rêves. Comme Calice et Athéna. Allez, à demain. Bisous. Ciao, ciao. Aucun de vous n'a vu mes boutons de manchette. Mais que se passe-t-il ici? Un typhon? Une tornade? Un cyclone? Non, papa. C'est seulement Peter Pan qui combat son ennemi, le terrible Capitaine Crochet. Encore ces histoires à dormir debout. Et pour Calice et pour Tina, un gros chocolat. C'est bon le chocolat. Tu te maquilles. Ça te fait rire? Ouais. Si Lily, fille bien-aimée, pas revenue ce soir, vous retire comme petit cochon.